Enchantée, ravie de faire votre connaissance. Donc, je vais vous expliquer comment va se passer le maquillage permanent de l'eyeliner. J'ai besoin de vous poser quelques petites questions auparavant. Déjà, j'aimerais juste savoir si ce que vous faites comme maquillage, c'est un petit peu ce que vous avez aux yeux. Oui. Oui. En effet, oui. Hein? C'est à peu près ce que j'ai aujourd'hui. D'accord. Donc, vous faites un trait en haut et un trait en bas. C'est bien ça? C'est ça. Oui. D'accord. Le haut et le bas. Très bien. J'aimerais également savoir qu'est-ce qui vous a emmené à venir faire du maquillage permanent. Écoutez, c'est vrai que je ne vous cache pas que le fait de devoir me maquiller tous les jours, j'espère j'ai un vrai gain de temps. Effectivement, bon, le côté pratique, c'est par exemple quand on va faire du sport, quand on fait beaucoup de sport et que ça évite de se maquiller, d'avoir le maquillage qui coule quand on va à la piscine, à la mer, quand il fait très chaud et que ça dégouline. Puis l'avantage aussi, c'est qu'il soit fait tous les jours parfaitement bien, puisque c'est quelque chose de durable. Hein, ça va durer entre 2 et 3 ans. Bon, alors, dans votre cas, c'est vrai que par rapport à ce que vous faites déjà, il vaut mieux faire le vrai eyeliner classique. Donc, on va passer à l'essai au pinceau. Je vais vous montrer qu'on soit bien d'accord toutes les deux sur le tracé. D'accord? Parfait. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est parfait. Oui, effectivement. Voilà. Alors, le dessin me convient. Donc là, c'est du pinceau. Ce sera encore plus beau une fois que ce sera fait en maquillage permanent. Vous me dites, ça va? Parfait. Parfait. Super. Alors, écoutez, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Le trait très fin en bas, je le trouve très joli. Et puis la pointe sur l'extérieur de l'œil est vraiment réussie. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Vous pouvez vous maquiller le visage, vous pouvez vous démaquiller le visage, mais vous ne touchez pas vos yeux. Les croûtes vont s'en aller toutes seules.